The Voice, B. Demi-mondaine dans la peau de Beyoncé pour les directs, une idée surprenante. Après avoir interprété avec brio Baby Dida Bad, Batting de Cri Isaac lors de son audition à l'aveugle, puis avec le temps de Léo Ferré et Soued Ream de Rhythmie, B. Demi-mondaine a décidé de surprendre les coachs, le public et les téléspectateurs avec un titre qui sort quelque peu de son registre habituel, Crazy in Love de Beyoncé. Un choix artistique qu'elle n'a pas eu seule et c'est un autre talent qui lui a soufflé l'idée, je ne m'imaginais pas chanter du Beyoncé, à la base ce n'est pas trop mon terrain, même si je trouve ça fantastique, a-t-elle confié à Zazie lors de son coaching. C'est la petite écho qui m'a proposé et on a passé une journée à chercher des chansons et... Et il semblerait que cette prise de risque soit très appréciée par son coach. L'interprète de Je suis un homme a salué ce choix de chanson pour les directs, je trouve que c'est important, surtout pour toi avec ton univers original et singulier, d'avoir quand même pensé à partir d'une chanson que les gens connaissent un peu. Samedi 21 avril à 21h. Vous avez donc rendez-vous avec les 16 talents encore en compétition pour les directs qui s'annoncent d'ores et déjà exceptionnels. Si B. Demi-mondaine a choisi de chanter un titre phare de Beyoncé, Xamurican tentera de se démarquer avec le titre Les mots bleus de Christophe tandis que Frédéric Lombois interprétera I Am Why I Am de Gloria Gaynor. Soyez au rendez-vous.